Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur le Maybe Planet. Alors le rôle de notre média collaboratif est de s'interroger, étudier et informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités, afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de visiter notre page Tipeee. Alors ce soir, nous avons l'immense plaisir, c'est une première pour le Maybe Planet, d'accueillir Egon Kragel sur notre chaîne. Egon, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. On se gèle à Paris, il fait froid, mais tout va bien. La vie va. Ouais, écoute, hein, c'est vrai que c'est compliqué. Egon, c'est un grand plaisir. Alors, Qu'à Marseille, tu devrais nous envoyer un peu de soleil quand même. Hein. Alors, écoutez, le jour où on enregistre l'émission, parce qu'on ne l'enregistre pas le jour où on va la diffuser, c'est le déluge. Donc, je pense que je vais sortir demain en barque. Donc, on verra bien. Egon, c'est d'autant plus un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui qu'on va enregistrer une émission sur un cas emblématique, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui pose encore beaucoup de questions aujourd'hui. C'est le fameux cas de Rundlesheim. Philippe, Sébastien, on est d'accord que là, c'est une grosse émission quand même. Ah oui, c'est une grosse émission. Donc, on en profite un peu parce que ça va être l'anniversaire, les 40 ans de, les 40 ans de l'observation. Tout à fait. Ben, c'est pas tous les jours qu'on a 40 ans. On l'appelle d'ailleurs le Roswell anglais. Le Roswell anglais, effectivement. Oui. Alors, avec Philippe, vous en avez l'habitude, on l'a fait la dernière fois, on met la machine à voyager dans le temps, comme Jacques Martin. Vous vous souvenez de Jacques Martin avec sa machine à voyager dans le temps? Oui. Toi, tu te souviens pas, Seb? Si, je m'en souviens, j'étais petit, mais je m'en souviens. Et sinon, il y a la DeLorean aussi pour la voyager dans le temps. Hein. Ouais, c'était mieux le dimanche après-midi avec Jacques Martin qui remontait dans le temps. Et nous remontons au 27 décembre 1980, du côté de la base de Rundlesheim, c'est en Angleterre. Nous sommes avec le colonel Charles Holt qui va déclencher un petit magnétophone qu'il a toujours avec lui lorsqu'il sort en mission et il va décrire ce qu'il est en train de voir dans le ciel. Egon, je pense qu'on a à peu près posé le décor. Je peux faire une petite correction. Le 26 et le 27, Charles Holt n'était pas encore sur la base. L'observation de Charles Holt, parce qu'en fait ça va se passer en deux actes. Il y a un premier acte qui se passe le 26, dans la nuit du 26 au 27 décembre 1980, et le second acte se passe dans la nuit du 29 au 30 décembre 1980. Et Charles Holt sera un acteur du second acte. Voilà. Donc première chose, c'est pas le 27 qu'il a enregistré, donc c'est dans la nuit du 29 au 30, c'est ça? Absolument, tout à fait. Oui, c'est quand même important. Mais on a dépêché Charles Holt justement parce qu'il y a eu quelque chose d'intrigant qui s'est passé cette fameuse nuit du 26. Absolument, absolument. D'abord, est-ce que je peux planter le décor un petit peu? Voilà, vas-y. Avec grand plaisir. Parce que Rundlesheim, c'est un petit village du sud-est de l'Angleterre, dans le comté de Suffolk. Hein. Et ce village a une particularité parce qu'en fait, il est tout près de deux bases militaires tenues par l'armée américaine. L'une de ces bases s'appelle la base de Bentwaters et l'autre, c'est celle de Woodbridge. Hein. Et ces bases sont séparées par une forêt qui est la forêt de Rundlesheim. Elles ont une particularité parce qu'une base est anglaise et une base est américaine. Absolument, c'est des bases de l'OTAN, Oui, oui, tout à fait. Et on ne pouvait pas, à mon avis, trouver meilleur endroit que le comté de Suffolk pour raconter des histoires riches en frissons, parce que le comté de Suffolk est vraiment connu en Angleterre pour ses mythes et légendes, ses histoires de lieux hantés et de sorcellerie. Donc, pour les amateurs de frissons, c'est parfait déjà. Là, on était bien, déjà, on était au bon endroit. Le décor est planté. Et ce qu'on ne sait pas non plus, nous en France, c'est qu'en fouillant les archives britanniques, j'ai trouvé des choses absolument incroyables, parce que déjà dans le ciel du Suffolk, et notamment au-dessus de la base de Bentwaters, on avait déjà fait des observations absolument incroyables, mais vraiment incroyables. Par exemple, le 13 et le 14 août 1956, des objets volants non identifiés ont été observés et repérés par trois radars de la base de Bentwaters dans le Suffolk. Et ces observations ont duré près de 6 heures. Un avion de chasse de type Venom a même été envoyé à l'époque pour intercepter l'objet. Et là, l'objet s'est comporté de façon absolument incroyable. C'est-à-dire que l'avion suivait l'objet et en une seconde, l'objet s'est retrouvé derrière l'avion. L'armée est rentrée dans un état de panique et en fait, ils ont demandé « the strictest secrecy was imposed ». C'est-à-dire que le secret le plus strict
a dû être imposé à l'époque en 1956. Donc, vous voyez que ce ciel du Suffolk, de Bentwaters et de la forêt de Rundlesham n'était pas vierge d'histoires très étranges. Mmh. Oui, déjà en 1956, les armées aériennes sont déjà bien sur les dents quand même. Hein. Absolument. On sait que l'échiquier est partagé, hein, l'échiquier du monde est partagé voilà. En deux camps, c'est la guerre froide, et d'un côté, chaque belligérant tremble et guette le ciel avec anxiété en se disant « ça y est, on va me tomber dessus ». Quoi. Mais en 1980, Rundlesham va vraiment défier la chronique. Hein. Alors, comme je disais, en fait, le cas de Rundlesham s'est passé en deux actes. Le premier acte, c'est passé juste après Noël, donc dans la nuit du 26 au 27 décembre 80. Et là, il se passe quoi ? Sur la base, on aperçoit des lumières hein, au-dessus de la forêt, à proximité de la base de Woodbridge et de Bentwaters. Et là, les militaires, comme en 56, sont inquiets parce qu'ils pensent en fait qu'un avion s'est crashé dans les bois. Donc, vers 3 heures du matin, on envoie une patrouille de 3 hommes hein, sur les lieux. Il y a le sergent Jim Peniston, dont on va reparler. Il y a l'aviateur de première classe Jim Burrows, dont on va reparler aussi. Et puis, un aviateur de première classe qui s'appelait Edward Cabenzag. Alors, ces hommes vont aller dans les bois. Ils vont être obligés de laisser leur jeep parce que c'est pas praticable. Et puis, ils vont découvrir médusé, un vaisseau triangulaire d'environ 3 mètres de large et de 2 mètres de hauteur, hein, qui illumine la forêt d'un éclat très blanc et qui est posé au sol. Alors, ils vont dire que l'air était chargé d'électricité statique, c'était très étrange, leurs cheveux, leurs poils se dressaient. L'objet semblait lisse, opaque, comme en verre noir. Et Jim Peniston s'est même approché de l'objet. Et il a distingué tout autour des espèces de symboles, hein, comme des hiéroglyphes égyptiens, il va les toucher de la main, il va dire que c'était comme du papier de verre, c'était étrange. Et puis soudain, l'objet s'est élevé très lentement, il a décollé, il est passé au-dessus des arbres comme ça. Et lorsqu'il a été au-dessus des arbres, il a disparu en un éclair. Ça, c'est le premier acte officiel. Et on dit que d'ailleurs que ça a provoqué une frénésie chez les animaux d'une ferme d'à côté, je crois. Il y a eu toute une Absolument. Excitation des animaux. Alors, la frénésie, elle est décrite par Charles Holt. Ah, d'accord. Aussi. Non, mais Seb, tu as raison, parce qu'en fait, il y a d'autres témoignages, il y a beaucoup de témoignages. Et je suis tombé sur un témoignage absolument incroyable d'un soldat qui raconte que des cerfs ont été pris cette nuit-là de panique, la nuit du 26 et 27, et ont même sauté une des barrières de la base. Bon. Il n'y a pas eu de vérification, mais en tout cas, c'est un des témoignages que j'ai trouvé aussi. Donc, il y a eu effectivement, Peniston dira d'ailleurs dans une émission de télé américaine qu'il n'y avait plus d'oiseaux. Donc, les animaux ont réagi. Il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus un bruit d'un seul coup. Ils avaient l'impression de nager dans une espèce de brouillard. Enfin, c'était très particulier. Suite à cette observation, donc, ils vont faire une déclaration à leur hiérarchie. Absolument, tout à fait. Ils vont rapporter, ce qu'ils ont vu. Ils vont être convoqués dès le lendemain, être interrogés. Et justement, ces faits vont arriver à l'oreille du lieutenant-colonel Charles Holt, qui est commandant adjoint hein, de la base. Ouais. Et lui, qui est très sceptique, va se dire, bon, voilà, ils ont été pris de frénésie, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous devenus fous. Parce que les rumeurs courent, on lui dit, vous savez, lieutenant-colonel, les hommes chassent l'OVNI dans les bois. Donc, il va dire, je vais régler tout ça. En plus, on est dans une période particulière, on est entre Noël et Jour de l'An, donc l'ambiance est peut-être un petit peu plus relâchée, enfin voilà, on peut se dire, bon, ils ont peut-être un coup dans le nez, ou ils veulent faire une blague, enfin voilà, j'imagine D'ailleurs, c'est très juste, c'est ce qu'il s'est dit, il s'est dit, ils ont dû un peu picoler, mais bon, il dit, enfin, lui précise qu'en fait, il voulait faire ce qu'on appelle du debunking, c'est-à-dire que comme il était très sceptique en disant, bon, je vais régler cette affaire, quoi. Voilà, on va. Mais coup de théâtre, dans l'année du 29 au 30 décembre, coup de théâtre, parce que lorsqu'il arrive, il y a un jeune officier qui l'intercepte et qui lui dit, vous savez, ils sont de retour, mais qui sont de retour? Les ovnis, mon lieutenant-colonel. Donc, avec 5 hommes, Charles Holt va se rendre dans les bois
Et notamment là où Peniston et Burroughs avaient aperçu hein, le drôle d'engin triangulaire qui était posé. Alors d'abord ils vont examiner les lieux, ils vont constater que dans le sol, il y a trois empreintes de 4 cm de profondeur qui forment un triangle parfait, pratiquement parfait. Ils vont aussi noter que sur les lieux, il y a un taux inhabituel de radioactivité entre 7 à 8 fois plus élevé que la moyenne. Et c'est là que Charles Holt dire que les animaux d'une ferme voisine, d'un seul coup, se sont agités et ont commencé à mener un sacré boucan. Et à ce moment-là, nos militaires vont assister à un spectacle. Alors là, tout à fait, mais vraiment, à les croire, un spectacle tout à fait surréaliste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu arriver d'abord dans le ciel un énorme objet de forme ovale, rouge, avec un centre noir. Holt dira que ça faisait comme un œil qui clignait. Et soudain, cet objet a explosé en 5 objets différents, blancs, qui se sont éloignés dans des directions opposées. Ensuite, pendant plus d'une heure, ils vont assister aussi à un déferlement d'objets de plusieurs couleurs qui vont effectuer des mouvements rapides, angulaires, dans le ciel de Rendlesham. Il y a un objet qui va projeter même un rayon lumineux à leurs pieds. Enfin, ils vont assister à un ballet cosmique ébouriffant. Voilà. Ça, c'est le deuxième acte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Charles Holt, comme je le disais en introduction, a toujours sur lui, à ce moment-là, un petit magnétophone. Et il va déclencher ce magnétophone et il aurait enregistré pendant 18 minutes ce qu'il est en train d'observer. Oui, il a un dictaphone, il dit qu'il ne s'en séparait jamais. Je crois qu'il y a à peu près une heure et demie de bande, mais ils ont gardé les 18 minutes les plus condensées. Les plus incroyables, oui, parce qu'au début, paraît-il, enfin, visiblement, c'est juste des constatations, les traces dans le sol. Ouais. Alors, ils vont constater aussi que les branches des arbres ont été coupées à leur sommet, qu'il y a des traces d'abrasion sur l'écorce des arbres, donc quelque chose s'est vraiment posé selon eux et a frôlé ou a touché la végétation. On est dans une rencontre du deuxième type à ce moment-là parce que c'est vraiment il y a des traces au sol. Ça va finir par une rencontre du troisième type d'ailleurs, si l'on en croit nos jeunes militaires. Voilà. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il y a une grosse émotion. Enfin, si on écoute l'audio de Charles Holt, qu'il soit vrai ou pas, il y a une vraie émotion. Enfin, quand on l'écoute et quand on peut se remettre un petit peu, s'imaginer le contexte, ça peut être impressionnant à écouter, je trouve, si on vit au même moment que lui. Absolument. On sent. Soit ce sont de magnifiques comédiens, mais on sent vraiment une tension, on sent voilà, l'émotion, une intensité, tout à fait. Il faut dire que s'ils ont été confrontés à un tel spectacle, on peut comprendre que voilà. C'est compréhensible. L'adrénaline est au rendez-vous. Oui. Puis on... Flashing red light ahead. There's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. It's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. To the left. Yeah, definitely moving. Two lights. One light to the front, okay. One light to the left. Keep flashlights off. There's something very, very strange. Get the headset on. See if it gets any stronger. Okay. Give us a rundown. No taste that this is on a beta reading, too. It's on a beta reading? Beta okay. Still has been removed. Okay. This is we're falling off it again. But it just moved to the right. Yeah. Right to the right. Strange. Oh, we're running to the left. Let's approach to the edge of the woods up there. Can you want to do without lights? Let's do it carefully. Come on. Okay, we're looking at the thing. We're probably about 200 to 300 yards away. It looks like an eye winking at you. It's still moving from side to side.
and when you put the star scoop on it, it sort of has a hollow center, a dark center. It's like a pupil of an eye looking at you and winking. And the flash is so bright to the star scoop that it almost burns your eye. We passed the farmer's house and crossed into the next field. Now we have multiple sightings of up to 5 lights with a similar shape and all, but they seem to be steady now rather than a pulsating or glow with a red flash. We just crossed the creek, and we're getting what kind of readings now? Getting three good clicks on the meter, and we're seeing strange lights in the sky. 2:44, we're at the far side of the second farmer's field, and made sighting again about 110 degrees. This looks like it's clear out to the coast. It's right on the horizon. Moves about a bit and flashes from time to time. Still steady or red in color. Also, after negative readings in the center of the field, we're picking up slight readings, 4 or 5 clicks now on the meter. 3:05, we see strange strobe-like flashes to the rather sporadic, but there's definitely something, some kind of phenomenon. 3:05, at about 10 degrees horizon directly north, we've got 2 strange objects, half-moon shape, dancing about with colored lights on them. That guess to be about 5 to 10 miles out, maybe less. The half moons have now turned into full circles. As though there was an eclipse or something there for a minute or two. 3:15 now, we've got an object about 10 degrees directly south, 10 degrees off the horizon. And the ones in the north are moving, one's moving away from us. It's moving out fast. This one on the right takes away, too. Yeah, we're both heading north. Okay. Hey, here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. 3:30, Zero 3:30, and the objects are still in the sky, although the one to the south looks like it's losing a little bit of altitude. We're turning around and heading back toward the base. The object to the south is still beaming down lights to the ground. 0-100 hours, one object still hovering over Woodbridge Base at about 5 to 10 degrees off the horizon, still moving erratic and similar lights and beaming down as earlier. Pour le moment, on parle de militaire. Charles Holt, il n'a pas une tête spécialement de clown de cirque. Ce document, je trouve, est quand même très important parce qu'il nous permet vraiment, comme disait Seb, de vivre en direct ce qu'il est en train de voir. Et il ne va pas l'inventer, ça. Enfin, il ne va pas aller à sa hiérarchie en disant « Tiens, je vais leur faire une blague, je vais refaire l'émission d'Orson Welles sur la guerre des mondes. » Ça paraît quand même improbable. Ouais, ouais. On a des militaires, mais je crois qu'aussi, il y a un policier qui s'est rendu sur place et qui a fait les observations, qui observait les traces. Absolument. Il y a un garde forestier aussi. Un garde forestier, je crois, un peu plus tard. Oui, ouais. Oui. Ouais, et alors, les traces, il me semble que c'était pas... Ça aurait pu... Ils disent que oui, il y a 3 traces, mais ça aurait éventuellement pu être fait par des animaux. Mais effectivement, il y a 3 traces. Moi, j'ai eu la chance... J'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer Nick Pope. Oui. Ah oui. Et c'est oui. Nick Pope qui a raconté la première fois en détail. On a pris le temps, on est allé s'asseoir et il m'a raconté pendant un long, long moment l'histoire de Rendlesham. Et avec l'humour très british de Nick Pope, à un moment donné, je lui ai parlé des traces et je lui ai dit « Mais ces traces ?» Alors il m'a dit « Oui, il y a eu des contre-enquêtes terribles, ils ont dit que c'était des lapins. » Mais il me dit « Mais, oui. Mais Gon, on est en Angleterre là, au mois de décembre, le sol est très gelé, c'était des lapins. » Ces lapins étaient énormes. Et très énervés. C'est peut-être ça, le nœud du problème. C'était des lapins extraterrestres énormes. Ouais. C'était des mammouths. Alors, des mammouths voilà, mais... Et Gon, on va peut-être rappeler rapidement qui est Nick Pope, parce que c'est vrai que tout le monde ne le connaît peut-être pas. Enfin, les gens qui vont entendre cette émission ne le connaissent peut-être pas. On va dire que ça a été, enfin, je suis très honnête, désolé, c'est très galvaudé comme terme, mais ça a été le monsieur OVNI de l'armée anglaise pendant quelques années. Bah, c'est vraiment ça, c'est le monsieur OVNI. Comme nous, on a eu un monsieur OVNI, une époque était Jacques Velasco, hein. On l'appelait monsieur OVNI parce que y avait la caution du GEPAN. Mais pour Nick Pope, c'est un peu la même chose parce qu'il travaillait au ministère de la Défense britannique, en fait. Et très vite, il s'est retrouvé à gérer le dossier des pans, hein, des phénomènes aérospatiaux non explicables et non expliqués. Et il est tombé dedans.
Voilà, ça l'a passionné et il a donc mené des enquêtes après personnelles, etc. Et c'est devenu un passionné. Et avec sa caution, évidemment, du ministère de la Défense, il a été considéré comme un personnage extrêmement crédible. Et d'ailleurs, on l'appelle le Real Fox Mulder, d'ailleurs, par rapport à David Duchovny. Scully, c'est qui alors? Ah, on la cherche encore. Steven Greenstreet, peut-être, parce qu'ils font des émissions ensemble. Avec des perruques. Ils qui s'appellent comment déjà? The Basement. The Basement Office. The Basement Office du New York Post. On recommande une très très bonne série de capsules, très bien faite. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Puis Nick Pope, qu'on voit souvent, qui prend souvent la parole, qui a encore pris la parole récemment sur les déclarations de. Pas du général, parce qu'il n'est pas général. Mais lieutenant Tim Macmillan. Ah non, pardon. Ouais, aussi. Non, mais ouais, enfin voilà. Nick Pope, c'est une personnalité aujourd'hui du monde ufologique. Hein. Absolument, incontournable, absolument incontournable. Oui. Le colonel Charles Holt donc va faire cette constatation et il va fournir un rapport à sa hiérarchie, mais c'est un rapport qu'il va fournir le 13 janvier, je crois. Le 30 janvier 81, c'est un rapport officiel en tête du département de l'Air Force. Il va l'envoyer au ministère de la Défense, mais il n'obtiendra aucune réponse. Ouais, ça ne va pas bien se passer. Mais non, parce qu'il faut, il faut attendre 3 ans au final. Je pense qu'Egan va certainement parler mieux que moi. 3 ans pour que ça sorte, notamment dans un tabloïd. Hein. Absolument. C'est-à-dire, l'histoire est incroyable. Si on reprend la chronologie. Ouais. C'est que cette histoire n'a fait aucun bruit, en fait, hein, c'est-à-dire à part visiblement intramuros, on va dire, mais c'est-à-dire que des rumeurs ont commencé à circuler. On a commencé à entendre parler du cas de Rendlesham un mois plus tard, en fait, en janvier 80, mais alors vous allez voir, c'est toujours confidentiel, c'est une enquêtrice. Britannique qui s'appelle Brenda Butler, personnage très important, qui a été la première approchée par un officier de sécurité de l'US Air Force. Et cet officier qu'elle a baptisé Steve Roberts, parce qu'elle n'a jamais voulu donner sa véritable identité. Ce Steve Roberts dira avoir assisté, lui, c'est le premier témoignage hors des murs de la base. Steve Roberts dira avoir assisté, lui, à un crash d'OVNI dans la nuit, justement, du 26 au 27 décembre 80. Mais alors, là c'est là que le dossier commence à devenir assez barge. Mmh. C'est-à-dire que lui dit qu'il aurait aperçu 3 petites entités, à ce moment-là, vêtues de combinaisons argentées, qui sont descendues du vaisseau dans un rayon de lumière. Et selon lui, ça va encore plus loin, le vaisseau serait resté posé au sol pendant plusieurs heures, et le général de la base, Gordon Williams, le général aurait pu communiquer avec ses alliés. Alors, j'ai des couvertures de journaux anglais qui ont illustré ça, où on voit un vaisseau avec des petits personnages que je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est la première fuite qu'on connaisse concernant le cas de Rendlesham en janvier 81. Mais on est très très loin quand même de l'expérience décrite par Pennington, par Burrough et par le colonel Holt quand même. Absolument, et vous allez voir que ça va se compliquer encore. C'est un cas complexe, en fait. Très complexe. Quelques semaines plus tard, il y a un autre enquêteur qui s'appelait Paul Pegg, qui lui va rencontrer, justement, un opérateur radar qui va lui révéler que dans la nuit du 26 au 27, il a localisé sur son écran un objet non conventionnel qui aurait disparu et qui se serait soit crashé, soit posé dans le périmètre de la forêt de Rendlesham. Deuxième fuite qui apparaît au niveau de la chronologie. Alors, je parlais de cette enquêtrice qui s'appelle Brenda Butler. Brenda Butler, l'avantage, c'est qu'elle habitait tout à côté de Rendlesham, elle habite dans le sud. Et évidemment, ces bruits qu'elle a commencé à capter comme ça l'ont passionnée. Et elle a commencé à mener une enquête. C'était la première enquêtrice de l'histoire du cas de Rendlesham. Elle a rencontré très vite un officier de sécurité qui s'appelait James Archer, enfin c'est son pseudonyme visiblement,
Et celui-ci lui a raconté que, effectivement, John Burroughs et Jim Peniston avaient approché un objet triangulaire posé au sol. Il a raconté que leur radio avait cessé de fonctionner. Mais selon lui, il n'y aurait pas eu d'extraterrestre. Par contre, il y avait quelque chose dans ce vaisseau. C'était quelque chose qui ne ressemblait pas du tout, qui n'était pas forme humaine et qui ressemblait à des robots, visiblement. Voilà. Bon, pas simple. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là que Burroughs aussi a parlé de son petit calepin et dont Peniston a plus ou moins dit que voilà, c'était vérifié, pas vérifié, un coup sur deux, c'est l'un plus ou tard, l'autre. Plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. Plus tard. Là va arriver un témoin. Après ça, va arriver un témoin qui va semer un souk, un bordel, si vous me permettez l'expression, total. Ce témoin, c'est un jeune officier de sécurité qui à l'époque a 19 ans, qui s'appelle Larry Warren. Et qui alors lui va raconter des choses absolument incroyables. Lui va dire qu'il était sur les lieux le soir du 26 du 26 au 27 de décembre, et aussi il était là le 29 et le 30 décembre. Le 26 et le 27, il va dire que quand il est arrivé sur les lieux, il y avait énormément de militaires, il y avait des hélicoptères qui survolaient la zone. Une caméra était pointée sur un engin. Et alors, écoutez bien son témoignage. Selon lui, l'engin ressemblait à un cachet d'aspirine transparent. Ah. Un cachet d'aspirine transparent, ouais. On n'est pas très loin du tic-tac, mais en mode transparent. Dire, oui. C'est la version. Et ça, c'est important. Vous allez voir pourquoi c'est important. Et soudain, une lumière rouge est descendue du ciel, est passée au travers des arbres. Elle est descendue sur le cachet d'aspirine qui a explosé en un éclair de multiples couleurs, et à la place est matérialisé un énorme vaisseau en forme de disque avec des dessins très compliqués sur toute sa surface. Warren s'est approché de ce vaisseau, mais beaucoup d'électricité statique, comme Peniston, etc. Et ensuite, il a perdu un peu connaissance, voilà, il a perdu conscience. Ça, c'est important parce que ça va être la première description dans la presse anglaise, les premières descriptions dans la presse anglaise officielle qui vont passionner, terroriser la population anglaise. Ce sera sur ce vaisseau-là, ça ne sera pas sur le vaisseau triangulaire de Peniston. Mais alors, ces deux témoignages, est-ce qu'on peut les considérer comme solides? Parce qu'encore une fois, ils sont très loin de la description des descriptions qui sont faites par les militaires. Alors, les dates semblent coller, mais est-ce qu'on n'est pas face à des gens qui ont eu des informations partielles et qui les ont un petit peu transformées? C'est compliqué d'y voir clair là-dessus. C'est un peu compliqué parce que la guerre continue encore aujourd'hui. Hein. D'un côté, ouais. Jim Peniston et Charles Holt disent que le Larry en question raconte n'importe quoi, le Larry se défend, enfin on en est là, ils ont chacun écrit des bouquins, chacun écrit son livre, et c'est toujours un affrontement, donc c'est compliqué de savoir vraiment hein, ce qu'il en est. Voilà, en tout cas, il y a une vraie... le dossier est très très complexe en fait, plus on plonge dans ce dossier et moins... moins on comprend en fait, c'est très compliqué. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est les premières sorties presse qu'on a. Mais il y a pas de sorties presse encore. Il y a absolument pas. Ça, ce sont les rumeurs qui circulent avec une enquêtrice hein, qui commence à s'en occuper. Maintenant, si on parle de la presse, la première fois dont on parle du cas de Rendlesham, je vous les enverrai. La première fois quand on parle de ce cas, c'est dans le numéro de la magnifique revue britannique qui est vraiment, que je vous conseille, qui est Flying Saucer Review, qui est vraiment on fait un travail exemplaire. C'est dans le numéro 26, numéro 6, qui est paru en 81. Il y a un petit entrefilé, c'est vraiment un petit entrefilé, c'est la première évocation dans la presse du cas de Rendlesham. Ensuite, une année plus tard, en 82, dans le numéro 27, numéro 6, de la même revue Flying Saucer, on trouve là le premier long article intitulé « Le mystère de la forêt de Rendlesham ». Et ça va être signé par Jenny Randalls, une enquêtrice ufologue britannique qui va, elle, mener le plus d'enquêtes sur le cas de Rendlesham, va écrire plusieurs livres. Et c'est à partir de ce moment-là,
que ça va commencer à bruisser, mais c'est encore le monde de l'ufologie. Donc ce sont les amateurs éclairés. Ça touche pas le grand public. Sauf que le 2 octobre 83, voilà, ça c'est la date fatidique. Le 2 octobre 83, tout va basculer parce que le quotidien News of the World va faire sa couverture avec le cas de Rendlesham en disant qu'un ovni s'est vraiment posé dans le Suffolk et s'est prouvé. Et à partir de là, ça va être un déchaînement total. Le Times, le Guardian, le Daily Telegraph vont suivre. Alors, ça va être une guerre totale. Il y a les convaincus, les sceptiques. Certains vont dire qu'effectivement, c'était un ovni. Le Daily Telegraph va dire pas du tout. Ils ont vu le phare de Orford Ness qui était à 6 km de la cathédrale d'Alcham. Et c'est là que commencent vraiment les grands débats sur le cas d'Alcham. Bah, d'ailleurs, on peut dire qu'il commence et il n'est toujours pas clôturé parce qu'aujourd'hui, malin, celui qui a la solution quand même. Il n'est toujours pas clôturé, absolument pas. Le cas, c'est pour ça, Philippe disait que le cas de Rendlesham, on l'avait baptisé le Roswell britannique. Et effectivement, le parallèle est très juste, c'est-à-dire que on a d'innombrables témoins militaires, civils qui surgissent à tous les moments. Les témoignages sont contradictoires, c'est exactement comme Roswell. C'est un mécano, bien étavisé et intelligent et celui qui sait ce qui s'est réellement passé. Ouais. Sachant qu'au fil des années, c'est ça. Hein. Au fil des années, plus ça va. Et sur la couverture du News of the World, en fait, on voit l'objet décrit par Larry, en fait. Hein. C'est pas du tout encore l'objet triangulaire que va décrire Peniston. C'est-à-dire cette espèce d'objet absolument incroyable, avec des tas de couleurs, etc. Donc tout ça va brouiller les pistes énormément. Bon, ce qui va se passer, c'est que le colonel Holt, va rapidement non pas être pris à partie, mais on va lui demander un petit peu sa version quand même. Alors, d'abord, ce qui va se passer au niveau de la chronologie, c'est qu'il y a un premier livre qui va sortir en 84. Un premier livre qui est très intéressant, qui s'appelle Sky Crash, a Cosmic Conspiracy. Hein, une conspiration cosmique, le crash du ciel. C'est signé par les enquêtrices Brenda Butler, dont je vous parlais, Dottie Street et Jenny Randall. Ce livre va faire grand bruit. Et à partir de là, pas mal de témoins et de passionnés vont enquêter. Et à ce moment-là, le rapport du lieutenant-colonel Holt sera obtenu en juin 83 à la demande de Richard Todd, qui appartient au groupe Citizen Against UFO Secrecy. C'est les citoyens contre le secret maintenu sur les ovnis. Et il va obtenir donc la déclassification de ce mémo selon la loi sur la liberté d'information, la Freedom of Information Act. Et à partir de là, effectivement, ça va commencer à poser problème parce que la presse va se poser beaucoup de questions en disant effectivement, là, on a un mémo d'un haut gradé de l'armée. Donc, ça va commencer à changer la donne. C'est-à-dire que les rires vont commencer à se mettre en sourdine et voilà. Et beaucoup d'hypothèses vont commencer à jaillir ça et là et à se confronter. Alors, si je comprends bien la chronologie, et corrige-moi si j'ai tort, les enquêtrices vont partir de témoignages quand même très différents dans leur sensationnalisme de ceux de Peniston, Bogue et Holt, et au final, c'est cette action civile qui va faire bouger l'armée, et c'est là qu'on va obtenir le rapport de Holt, qui va peut-être un petit peu équilibrer les choses, ou en tout cas remettre les choses... alors, juste mesure. Oui, et puis, quelques mois après, à peine quelques mois après, le colonel Sam Morgan, qui était commandant de la base de Woodbridge, va rendre public l'enregistrement de 18 minutes. D'un seul coup, l'enregistrement va devenir public, qui a été l'enregistrement réalisé par Charles Holt,
dans la nuit du 29 au 30 décembre. Et on y entend les voix de différents militaires. Lorsqu'on consulte les archives, on se rend compte qu'effectivement, ils étaient là. Ils se sont rendus sur place. Il y avait le capitaine Bruce Englund, le capitaine Bustinza, le major Malcolm Ziegler, le sergent Nevels. Tous ces personnages vont parler, vont aussi témoigner. Enfin bon, ça va être d'un seul coup, on va avoir une avalanche de témoignages à ce moment-là. La grande question qui est posée à la fois par la presse, par les médias britanniques, c'est est-ce que cette bande son est un faux ? Mm-hmm. Voilà. Alors la question a été posée directement à Sam Morgan, le commandant de la base qui a rendu public l'enregistrement, qui a répondu. Moi, je ne crois pas que ce soit un faux. Je pense que ces hommes étaient réellement à l'extérieur ce soir-là et qu'ils ont été confrontés à quelque chose qui les a effrayés. Et puis, quand on a demandé à Charles Holt a dit « Mais pourquoi j'aurais inventé ça ?» Enfin bon. Ouais, c'est un petit peu ça. Et ce n'était pas censé sortir au grand public, en plus. Non, ce n'était pas censé être rendu public. Et c'est quelqu'un qui avait l'habitude de tout le temps enregistrer. Il avait tout le temps un magnétophone sur lui et il enregistrait tout le temps ses missions, en fait. Absolument. Donc, il avait son téléphone, tout à fait. Et c'est vrai que sans cette bande sonore, je pense que le cas aurait été moins fort, très honnêtement. Hein. Enfin, il aurait été moins. Voilà, là on a cette bande, on a ce rapport. C'est quand même quelque chose, effectivement. D'ailleurs, Holt, dans ses dernières déclarations, ne bouge pas d'un iota. Hein. Encore une fois, aujourd'hui, il dit ce qu'on a décrit, c'est ce qu'on a vu, et on n'a pas. Et c'est pas le phare, parce qu'il y a cet épisode du phare quand même qui va venir. D'un zététicien dont je n'ai plus le nom, mais qui va un petit peu chercher une solution tarabiscotée quand même. Oui, des contre-enquêtes, il y en a eu beaucoup menées. Alors effectivement, le phare a été évoqué plusieurs fois. On a même évoqué une farce qui aurait été jouée par la police, qui aurait avec un camion et des gyrophares pour distraire un peu les soldats les soirs de Noël. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Le phare, il le voyait tous les jours. Le phare, il le voyait tous les jours depuis. C'est quelque chose qui faisait partie de l'environnement, le phare. Donc, parce que ce jour-là, particulièrement. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui a brouillé aussi les pistes, c'est qu'à ce moment-là, les enquêteurs se sont retournés vers le ministère de la Défense et vers l'armée et vers le Pentagone, en fait. Et que ce soit le Pentagone, parce que ça concernait une base américaine, il ne s'est rien passé, on ne sait pas, on n'a aucune, nous n'avons aucun document alors qu'ils étaient en possession. Du mémo de Charles Holt et le ministère de la Défense britannique disant on ne sait rien exactement, RAS, rien n'est signalé. Ouais, donc, a commencé à courir le bruit qu'il y avait des tentatives de dissimulation d'un fait grave qui s'était passé sur ces bases. Lié au nucléaire, parce que il faut le rappeler, ça, quand même, parce qu'on ne l'a pas dit. Absolument. Ce sont des bases, et on y vient quand même malgré tout, qui possédaient, je crois, des ogives nucléaires, ou en tout cas du matériel nucléaire. Ce sont donc des endroits stratégiques extrêmement névralgiques. Voilà, parce qu'encore une fois, on en vient toujours à la même chose, petit peu comme Malmström ou d'autres cas, il y a du nucléaire à Rundelsheim et ça c'est quand même plus, je pense à... Et pour contextualiser, on est dans le milieu des on est dans les années 80 et on est sur un endroit stratégique entre les deux blocs, le bloc soviétique, le bloc états-unien. On est vraiment sur des endroits où les avions passent au-dessus de la mer du Nord et qui permet quand même d'avoir une vision pour les États-Unis au niveau européen. Absolument, tu as tout à fait raison. Et s'ils ont voulu installer une base en Angleterre, si les Américains ont voulu, c'est parce qu'ils voulaient être beaucoup plus proches justement de l'Europe de l'Est, en fait. Oui, pour tirer, ça allait plus vite, effectivement, quoi. Faut dire les choses. Faut dire Je suppose que les Russes ont dû être soupçonnés aussi. On a dû envisager que ce soit peut-être un engin russe. Absolument. Ça fait partie de toutes les hypothèses, tout à fait. Oui.
Alors, j'aimerais qu'on en vienne maintenant, enfin, si tu le veux bien, à cette histoire de Jim Pennington, parce que là, on va passer encore dans autre chose, parce qu'il y a quand même un élément très étonnant, c'est qu'en 2015, Jim Pennington va gagner son procès contre l'armée et on va reconnaître une maladie cardiaque professionnel, puisque lui dit que les problèmes cardiaques qu'il a, sont liés au contact qu'il a eu avec ce fameux engin, c'est-à-dire en touchant cet engin, ça lui a créé des problèmes médicaux. Oui, alors c'est John Burroughs qui a obtenu Burroughs, oui. C'est John Burroughs. Alors, ce qu'il faut dire effectivement, c'est que suite à cette observation, nos deux témoins principaux, Jim Pennington et John Burroughs, ont présenté des maladies, hein, des déficiences physiques importantes. Jim Pennington dit qu'il a souffert de vertiges et il a une maladie au niveau de l'oreille interne importante. Ensuite, il a souffert de beaucoup d'insomnie, de cauchemars. Et John Burroughs dit que lui, il a souffert de problèmes cardiaques, en fait, hein, de problèmes cardiaques importants. Et ce qui est incroyable, c'est que le 22 février 2015, à Washington, hein, la capitale des États-Unis, une partie du Pentagone a reconnu pour la première fois que l'un de ses militaires avait été blessé à la suite d'une rencontre avec un objet volant non identifié, ce qui est absolument incroyable. C'est une première, ça, quand même, sur le coup. Ouais. Alors, il ne dit pas qu'il a été blessé par un vaisseau extraterrestre, mais enfin, bon, quand même, suite à une exposition à des taux de radiation qui viendraient d'un objet non non répertorié, non reconnu et non identifié. Donc, OVNI, objet volant non identifié. Il a eu un peu plus de chance que Betty Cash et Betty Cash et Vicky Landrum, absolument. Vicky Landrum et Betty Cash, effectivement, qui elles aussi ont fait une rencontre très particulière, ont développé des séquelles assez graves. Elles, par contre, elles n'ont jamais été indemnisées parce qu'on n'a jamais voulu reconnaître le lien entre ce qu'elles ont développé et les maladies qu'elles ont eues. Betty Cash surtout, parce que Betty Cash était sortie de la voiture et elle a développé toute une série de cancers. Hein, elle ne s'en est jamais remise. Mais Michalak aussi. Qui a fini par en mourir. Hein. Moi, j'ai les rapports de médicaux de l'époque de Michalak, c'est absolument épouvantable. C'est ça qui est aussi incroyable. Alors Michalak, le Canada a carrément fait une médaille commémorative sur le cas Michalak. On peut dire ok, c'est touristique, c'est commercial, c'est amusant, mais enfin il y a quand même une espèce de reconnaissance. Michalak, en deux mots, c'est quelqu'un qui va approcher d'un vaisseau, donc on est au Canada, il va s'approcher d'espèces de grilles, qu'on pourrait dire des grilles d'aération quelque part, et il va se retrouver avec la chemise en feu. Donc il va devoir enlever sa chemise et il va garder des traces sur l'abdomen qui sont quand même, il y a des photos que vous pouvez trouver sur Internet. Un damier, c'est vraiment un damier comme ça. Ce qui était incroyable, c'est que ce damier disparaissait pendant un an et demi et il revenait. Régulièrement, à ce moment-là, il se mettait à dégager une espèce d'odeur d'ozone. Et avec des problèmes de déficience, d'anémie. Le cas de Michalak est un cas absolument incroyable. Hein. Pas assez connu d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a vraiment matière à faire aussi. Ça fait partie de ces gens qui déclenchent des maladies suite à des contacts. Et c'est quand même... Moi, je trouve que les preuves médicales sont parmi les preuves les plus concluantes quand même. En tout cas, qu'il y a eu quelque chose, sans aller jusqu'à la thèse extraterrestre, mais en tout cas, qu'ils ont été en contact avec quelque chose qui les a rendus malades. Alors, mais il y a beaucoup de cas. Hein. J'avais fait une conférence sur les dommages collatéraux, hein, et des gens brûlés, il y a énormément de cas. On pense particulièrement à Collares, où c'est complètement incroyable ce qui s'est passé à Collares. Et c'était, je crois, c'était aussi à la fin des années 70, Collares. Absolument, c'est tout à fait. Il y a le livre de Jacques Vallée, génial, qui s'appelle Confrontation, où Vallée est parti enquêter sur place, qui est passionnant. Hein.
À l'opération Prato, c'est quelque chose quand même. Enfin voilà, il y a, ouais. Là aussi, il y a quand même, sans donner réellement un nom au phénomène, il y a eu un phénomène. Il est là. Maintenant, on est quand même dans une période où il se passe des choses assez étranges. On est au début aussi de la vague de l'Hudson River, qui est complètement incroyable aussi. Ouais. Les triangles, alors, ces triangles incroyables. Absolument. Après, on enchaînera avec la vague belge. Ouais. Une question, Egon, puisque, alors, je ne sais plus si ça concerne Penniston ou Borog, il y a cette histoire de flash qui serait liée au contact avec le vaisseau, avec une espèce de code binaire. Alors, c'est Jim Penniston. Jim Penniston, ouais. Des années après, va révéler une chose absolument incroyable. Il va dire que lorsqu'il a touché les hiéroglyphes, cette espèce de hiéroglyphe, de symbole qui était tout autour du vaisseau, il a reçu en télépathie un code binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1, ouais. Des 0 et des 1 qu'il a noté sur son carnet. J'ai les 16 pages, je vous les enverrai. J'ai les 16 pages du carnet. Et c'était visiblement un message de cet objet ou de ces entités. Et pour Penniston, en fait, aujourd'hui, il est persuadé que ce n'était pas un vaisseau d'outre-espace, un vaisseau exotique. Ce serait ce qu'on appelle des time travelers, des voyageurs du temps, c'est-à-dire des êtres humains venant du futur qui seraient venus nous visiter. Donc, ce qui n'arrange pas le Carandelsham, parce que on patauge en fait dans mille hypothèses incroyables, et voilà, c'est un peu compliqué. Ah, mais moi, les voyageurs du temps, j'aime bien, parce que là, je vois qu'on va bientôt aller sur la Lune, qu'on va bientôt aller sur Mars. Donc, ça veut dire que si on se développe et que des gens naissent là-bas, bah, ce sera des extraterrestres. Peut-être qu'ils arriveront à maîtriser le voyage dans le temps. Donc, en fait, ce seront bien des extraterrestres qui viendront nous voir, mais dont nous serons les ancêtres. Donc là, c'est quand même assez compliqué, mais je trouve que ça fait un bon concept. Mais bon, alors, cette histoire de code binaire, effectivement, c'est difficile de savoir si c'est du lard ou du cochon, quoi, parce que c'est des choses qui viennent après, ça se construit petit à petit, quoi. C'est ça qui est compliqué avec cette histoire. C'est étrange. J'ai un essai de décryptage. En fait, visiblement, ce code parlerait de lieux, Caracol, Belize, Sedona, en Arizona. Sedona que je connais bien, où j'ai passé du temps. Il parlerait de la grande pyramide en Égypte, des lignes de Nazca au Pérou, Taishanqiu en Chine. Un joli mélange, là, oui. Ouais, ça amalgame un peu tout, quoi, ouais. Les crânes de cristal, non Mais ça veut dire qu'avec ce code binaire, donc 1001 machin, etc., ça nous a quand même donné une signification sur tous ces lieux un petit peu légendaires, entre guillemets. C'est ça. Et ça me paraît un peu fort de café, parce que pour moi, ce sont toujours les lieux emblématiques. Voilà, Nazca, évidemment, et c'est magnifique, pétroglyphes. Sedona, c'est tout à côté de Phoenix. Moi, quand j'étais à Sedona, j'ai rencontré des témoins de Phoenix qui me disaient qu'il y avait des lumières dans le ciel de Sedona sans arrêt. Ils sont complètement fascinés par le ciel et tout le monde guette tous les soirs ce qui se passe. Dans leur beau ciel d'Arizona. D'Arizona, ouais, c'est clair que c'est joli. Mais enfin, mais là, on nous parle de la grande pyramide en Égypte, etc. C'est toujours un peu pareil, quoi. Bousségui, en Roumanie, bientôt. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai que c'est toujours un petit peu téléphone, quand même. Donc, Stone Age. Mais je suis un peu dubitatif, voilà. Je t'admets que ça m'a pas persuadé. Tu connais peut-être les travaux du docteur David Clark sur Handelsheim, peut-être, ou pas ? Un petit peu, oui. Bon, on vous mettra le site du docteur David Clark. C'est quelqu'un c'est un spécialiste du folklore, des mythologies, c'est un universitaire. Et il a beaucoup travaillé sur Handelsheim, et c'est assez intéressant ce qu'il dit. Et justement, je crois que c'était l'année dernière où il y avait cette théorie de la blague des Américains aux Anglais ou des Anglais aux Américains, parce que c'était quelque chose qui devenait un petit peu mainstream. Et c'est quelque chose qu'il a un peu démonté en disant que les militaires avaient quand même autre chose à faire que de se faire des blagues la nuit.
Rappelons quand même que les militaires, quand ils se baladent armés. Donc, faire des blagues à des gens armés, moi, je trouve ça toujours un petit peu limite quand même. C'est risqué. Absolument. C'est comme la théorie de la soirée très arrosée. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que quand les officiers de sécurité prennent, prennent leur poste, on vérifie toujours qu'ils sont sobres. Donc, on ne peut pas imaginer que des mecs armés comme ça qui ont une tâche extrêmement importante, hein, qui surveillent cet endroit lié au nucléaire. Et on est en 80. Soit bourré, quoi. Enfin, donc, On est en pleine guerre froide quand même, hein, donc c'est pas super détendu comme ambiance non plus. Hein, donc, mais c'est marrant quand même, si je peux juste rajouter un petit truc, c'est marrant quand même, c'est toujours cette tendance qu'on a à décrédibiliser les visions des militaires, qu'ils soient pilotes ou qu'ils soient militaires terrestres, pour les prendre tous pour des doux abrutis en disant mais de toute façon ils ont vu un phare ou ils ont vu des trucs complètement fous, alors que pour moi un militaire hautement entraînés, notamment les pilotes, restent des gens, je pense, assez lucides et qui ont l'habitude de voir des choses. Donc, ça m'a toujours assez étonné, ça parlait au travers des âges. Oui, mais tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de connaître des pilotes parce que mon papa était colonel. Et moi, je peux vous dire vraiment que ces gens ne rigolaient pas quand ces gens vous racontaient une observation. Ils savent absolument de quoi ils parlent. Ce sont des gens extrêmement pragmatiques, extrêmement sérieux, qui sont d'ailleurs formés pour reconnaître absolument tout ce qui peut passer dans leur couloir de vol. C'est pour ça que quand Charles Holt va dire le phare, mais arrêtez de me prendre pour un imbécile, un phare ne vole pas, on les a eu au-dessus de notre tête. Je pense que s'il ne ment pas, il a raison. C'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'un militaire peut se tromper ? On a ce caresson de la photo justement de Macmillan dans The Debrief, avec cette photo qui est prise d'un cockpit d'avion. Là, le truc, c'est qu'on n'a pas le témoignage du pilote. On n'a pas le témoignage. C'est très compliqué. On n'a pas le témoignage, on a la photo. Et sur la photo, ça ressemble quand même beaucoup à un ballon. Donc voilà, c'est compliqué. Alors là, on n'a pas toutes les infos, donc on peut tout imaginer. Mais voilà, les militaires peuvent aussi quand même se tromper. C'est possible. Oui, mais c'est un petit peu comme en Iran, quand Jafari, on lui fait dire qu'il a vu Jupiter. Pour moi, Jupiter ne poursuit pas un fantôme F4. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'exemples de ce type-là. C'est un vieux classique, Mantel. On a soutenu que Mantel poursuivait Vénus, hein, par exemple. Mmh. Je pense pas que Mantel poursuivait Vénus. Quand on voit la retranscription de ces échanges avec la tour de contrôle, on voit bien qu'il est en train de suivre quelque chose. Enfin bon, c'est un vieux classique. Alors maintenant, les militaires peuvent mentir aussi, parce qu'il y a une hypothèse comme quoi il y aurait eu peut-être aussi des expérimentations d'engins nucléaires et qu'il aurait été possible et facile pour l'armée de balancer une histoire d'OVNI comme ça. C'est une couverture magnifique et on ne parle pas du reste. C'est un super cover-up, les ovnis. Hein. Dès qu'on parle des ovnis, hop, tout le monde commence à sortir parce qu'on dit « Oh là, ovni, c'est bon, on n'y va pas, c'est pourri, c'est de la fadaise. » Affaire suivante, quoi, effectivement. Mmh. C'est vrai que c'est quand même un bon moyen d'écarter les choses. Mais enfin, encore une fois, on le voit, il a fallu des enquêteurs civils qui mettent leur nez dedans, qui aillent chercher des choses qui, au départ, peuvent paraître quand même un petit peu farfelues. Et puis quand même, il en sort quelque chose au bout d'un moment. Donc voilà, tu nous l'as bien rappelé, Egon, c'est pas une affaire qui sort comme ça du chapeau. C'est pas les militaires qui font une conférence de presse en disant tiens, on va vous expliquer, il s'est passé un truc bizarre, quoi. Il a fallu encore une fois que ce soit des civils qui mettent la pression. Tout à fait, absolument, tout à fait. C'est une affaire vraiment fascinante. Moi, je vous conseille, si vous lisez l'anglais, moi, je vous conseille avant tout mon coup de cœur sur l'histoire de Rendlesham. C'est le livre de Georgina Bruni. Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre ? Honnêtement, non. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ce livre s'appelle « You Can't Tell People ». Parce que Georgina Bruni était une enquêtrice, une ufologue enquêtrice, qui au printemps 1997 s'est rendue dans une soirée à Londres et elle a rencontré Margaret Thatcher. Ouais.
L'histoire est géniale. J'adore l'histoire. Elle rencontre Margaret Thatcher qui était en train de piquer des petits fours. Donc, elle s'est approchée tout doucement et puis elle s'est présentée. Et puis, au bout d'un moment, elle lui a dit, écoutez, Madame Thatcher, est-ce que je peux vous poser une question? Vous pensez quoi du phénomène OVNI? Et là, Margaret Thatcher s'est figée. Elle n'a pas recraché son petit four, mais elle s'est vraiment figée. Et elle lui a dit, vous savez, la seule chose que nous pouvons faire, nous, c'est collecter les faits et surtout ne rien dire aux gens. Vous ne pouvez rien dire aux gens. Et suite à cela, Georgina Bruni a écrit pour moi le livre, vraiment le livre fondateur pour moi du Karen Dolcham, qui s'appelle You Can't Tell the People, avec une préface de Nick Pope. Et c'est peut-être, j'aime beaucoup cet ouvrage parce qu'en fait justement il essaie de décrypter et il y a une très bonne chronologie qui explique la complexité. Je suis simplement triste que ce livre n'ait pas été traduit en français parce qu'il le mériterait vraiment. Parce qu'il y a eu pléthore de livres, hein, il y en a beaucoup, mais celui que je privilégie et que je mets en première position, c'est personnel, c'est vraiment le livre de Georgina Bruni. Bon, il est peut-être pas trop tard, en plus on est sur les 40 ans de Rundelsheim, donc c'est peut-être l'occasion de le faire. C'est peut-être l'occasion de le faire. Ça serait génial de le traduire, vraiment. Si un éditeur nous écoute. Voilà, on lance un appel. Christelle, peut-être, si elle veut. Jean-Michel, voilà. Si elle veut traduire celui-là, pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée. Je pourrais en parler à Christelle, absolument. Ouais, c'est vrai. Bon, Christelle qui me disait, hélas, que les livres d'ufologie se vendent difficilement quand même. C'est pas un sujet facile. Christelle qui a eu le mérite d'aller chercher des livres. Assez intéressant. Aztec, Six oui. Killer Clark. Les rats c'est un livre magnifique qui arrive. Ouais. Sur les Star People, le peuple des étoiles. Oui. Ah oui, oui, oui. Il est très poétique, ce livre-là. Il est très poétique quand on entend tous les histoires des grands-pères amérindiens raconter ça. Il est vraiment génial. Parce que je dis toujours, les Indiens n'ont pas été pourchassés par ceux qui venaient d'ailleurs, mais par leurs propres frères de leur propre planète, quoi. Donc c'est quand même, symboliquement, ça veut dire quelque chose quand même. ça veut dire qu'on a quand même une espèce assez dangereuse. Ça reste mon livre de chevet. Ça reste mon livre absolu de chevet. Et quand j'étais à Sedona, j'ai fait un tour dans la réserve amérindienne. Et je leur ai parlé, vous savez, les obsessionnels. Au bout d'un moment, je leur ai demandé, il paraît qu'il y a des lumières qui sont dans le ciel, on les voit. Et ils m'ont regardé comme ça, en se disant, il sort d'où celui-là? Tu vois, la montagne là-bas, elle s'appelle la Montagne de las Estrellas, la montagne des étoiles. Et ces étoiles, on voit des étoiles depuis des décennies, Les anciens de nos ancêtres nous racontent que les étoiles descendent et ce sont des... le peuple des étoiles qui vient nous visiter avec une décontraction, c'est pour ça que je... C'est pas du tout le même rapport lorsqu'on est confronté aux cultures amérindiennes et lorsqu'on parle d'ethnie et de monde exogène, on n'a pas du tout le même rapport. Non, pour eux, c'est quelque chose de normal, quoi. Enfin, voilà, ça fait partie de leur culture. On n'en est pas encore là de notre côté, mais enfin bon, c'est comme ça. Hein, il faut travailler, puis surtout, il faut trier le vrai du faux. La chose factuelle de la chose un petit peu moins solide, voire un petit peu plus sensationnaliste. C'est évident. Moi, je voudrais poser une question à Seb. Ouais. Oui. Seb, toi qui m'es tourné un peu dans le dossier, quelle est ton approche? Quelle est ta sensation? Quelle est ton hypothèse par rapport à Rundelsheim? Alors, pour moi, je dirais un petit peu en faisant le parallèle avec le Roswell américain, c'est qu'il y a certainement une part de vérité là-dedans. Alors, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est exogène? Est-ce qu'elle est un test? Je ne sais pas. Mais il y a une part de vrai, je pense, de factuel. Charles Holtz, pour moi, ne se serait pas amusé à faire d'une part un mémo et d'autre part un affidavit derrière pour rien quand même, ça reste un militaire. Après, je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il s'est tissé là-dessus beaucoup de surenchères au fil des années,
Et je pense qu'aussi que le fait que ce soit sorti dans un tabloïd n'a pas aidé les choses. Sorti dans un hebdomadaire, comme le disait Adam Keogh dans Medium, on est sorti sur un hebdomadaire, donc le droit de réponse n'a eu lieu que 7 jours après. Et entre-temps, il a pu s'en passer des choses pour s'enflammer et pour fantasmer quelque chose. Et je pense que là, du coup, on a vraiment gâché une bonne occasion d'avoir une belle histoire sortie par des civils qui aurait pu, je pense, avoir une autre tournure, voilà. Tout à fait. Belle analyse. Ouais, c'est vrai que tabloïd n'a pas aidé. Hein. Est-ce que l'article du 17 décembre 2017 aurait eu le même poids si c'était pas sorti dans le New York Times? Si c'était sorti dans le Daily Sun ou dans quelque chose d'un petit peu plus léger en termes de ton. Voilà. Moi, je vous admets que je trouve que To The Star Academy, pour l'instant, fait un sans faute dans les choix de communication qu'ils font. Et ça, c'est extrêmement rare dans le monde de l'ufologie. C'est-à-dire que dans les affirmations qui sont faites, derrière, il y a du monde, il y a eu Chris Malone, il y a eu Luis Elizondo. Enfin voilà, il y avait quand même des gens derrière solides pour pouvoir appuyer. Ils ont eu le témoignage du pilote. David Sex-Fravor était là tout de suite. Voilà, ça c'est pour moi, c'est un exemple de ce qu'il faut faire en ufologie pour étayer un cas et sortir quelque chose de solide. Parce que si c'était contenté de dire il y a un pilote qui a vu un tic-tac, je pense que ça aurait été vite plié comme histoire, quand même. Quoi, voilà, donc, non, mais c'est vrai. Parce que, et puis je pense que quand on dit à qui profite le crime, entre guillemets, je pense que ça arrange bien les militaires pour je ne sais quelle raison, hein, que ce soit encore une fois exogène ou un test, ça arrange bien les militaires que ça soit tourné en ridicule plutôt que ce soit quelque chose de factuel et que des gens plutôt pragmatiques mettent le nez dedans. Là, on sait qu'on plonge dans une nasse un petit peu fantasmée et voilà, ça permet quand même de noyer le poisson. Alors, tout à fait. Peut-être pour finir cette émission, puisque là on est pratiquement à l'heure d'émission, Egon, on sait que l'endroit a été immortalisé par une espèce de stèle au niveau d'Andelsheim, une espèce de, enfin pas de statue, mais c'est quoi, c'est une pyramide, une petite pyramide, je crois en pierre ou quelque chose comme ça. C'est une copie du vaisseau, en fait. C'est une copie du vaisseau, je crois. Oui, une vision d'artiste du vaisseau. Ouais. Par contre, est-ce qu'on sait si dans l'intervalle, il y a eu d'autres observations autour de Rumblesheim, ou est-ce que ça s'est arrêté du jour au lendemain? Alors, selon Brenda Butler, il y aurait eu beaucoup d'autres observations, ouais. Oui. D'accord, ok. Ouais, mais qui n'ont pas été... Maintenant, c'était très difficile parce qu'il faudrait fouiller, hein, ces témoignages. Avec tous les risques. Selon Madame Butler, oui. Elle dit qu'il s'est passé des choses absolument incroyables. Elle a assisté, elle-même aurait assisté à des apparitions très étranges. Donc, enfin, c'est toujours pareil. Après, le risque avec ces témoignages qui arrivent après, enfin, qui se suivent, est-ce qu'ils sont pas nourris eux-mêmes par le cas de Andelsheim? Ouais. Voilà, qui arrivent des années après. C'est toujours compliqué. Ouais. Toujours compliqué après. C'est fait maintenant. Vous savez, sur Randlesham, ouais. Il y a un film qui a été fait par Daniel Simpson qui s'appelle The Randlesham UFO Incident, qui est sorti en 2015 en Angleterre, qui est disponible maintenant en DVD. C'est pareil, on rajoute de la confusion à la confusion. Bon, le film est sympa. Daniel Simpson, lui, est convaincu que c'était vraiment un objet extraterrestre, mais là, c'est l'histoire de trois détecteurs, chercheurs de trésors, hein, qui, avec des détecteurs de métaux qui sont dans la forêt, qui vont tomber sur ce vaisseau, etc. Donc, c'est un peu comme Roswell, on disait, c'est-à-dire que il est difficile après de tirer de la pelote le véritable fil parce qu'il y en a tellement et de tellement de couleurs. Que c'est très difficile, voilà. C'est très difficile, ouais. Je pense que c'est un cas qui restera mythique et dont on n'aura jamais le fin mot au final. Bah, je crois que c'est le cas britannique, hein. Oui, on est bien d'accord. Ah, il est présenté comme le cas britannique. C'est dommage parce qu'au Royaume-Uni, il y a des cas absolument fabuleux. Moi, il y a des cas en Écosse qui sont absolument incroyables. On pourra un jour en parler, mais absolument incroyables. Avec là des choses très, très troublantes, mais extrêmement troublantes. Des constats de la police, des militaires écossais, etc. Mais il s'avère que Randlesham remporte tous les suffrages et reste le cas britannique. Voilà. Alors, vous savez, pour finir, il y a quand même ce spectacle d'Alexandre Astier, l'exoconférence. Oui.
c'est un spectacle que j'aime beaucoup, hein, je le trouve très fin. Oui. Bon, après, sur sa conclusion, c'est sa conclusion, pourquoi pas, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que quand même, il a tendance à blaguer. Et à un moment, à la fin d'un sketch, il dit quand même « Reste Randolsheim ». De la façon dont il le dit, c'est « Par contre, c'est vrai que Randolsheim, là, ça me casse les dents parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de solide et je ne comprends pas ce que c'est. » Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il cite précisément ce cas qui, effectivement, aujourd'hui, ne permet pas d'être définitif d'un côté ou de l'autre. Ah, c'est un peu dommage, pas par rapport à son spectacle, mais comme je disais, parce qu'il y a, il y a eu des cas, on connaît des cas au Royaume-Uni, en Écosse notamment, qui sont absolument incroyables, mais vraiment incroyables. Et Randolsheim, le problème, c'est que ça tend le flanc à beaucoup de doutes, parce que, comme je le disais, il y a tellement de témoignages contradictoires. C'est une guerre qui perdure aujourd'hui, hein, toujours entre Charles Olds, je disais Jim Penniston et John Burroughs, hein, qui sont en guerre contre ce pauvre Larry qui, de toute façon, finit par être vraiment décrédibilisé. Pas simple. Il y a même une bataille avec le boss des Twin Bays, là, le patron de Charles Holt, qui justement, c'est pareil, témoigne, mais plutôt de l'autre côté. Voilà, Conrad aussi est dans la boucle. Absolument. Voilà. Oui, on n'en a pas trop parlé, mais c'est pareil, il mouille son milieu maillot, quoi. À lui, il décrédibilise Charles Holt. Hein, il dit c'est quand même des bêtises, quoi. Hein, donc lui, c'est simple. Hein, pour lui, il n'y a rien et c'est des bêtises. Donc comme ça au moins. En fait, on s'aperçoit que tous les grands cas qui ont été énormément médiatisés, il y a toujours un doute qui plane. Et alors que, comme dit Egon, il y a des cas qui ont été bien moins médiatisés et qui pourraient nous apporter beaucoup plus. Oui. Mais il suffit, c'est comme Roswell au final. Roswell n'a été médiatisé que 40 ans plus tard au final. Ça a été un épiphénomène pendant une quarantaine d'années. Il a fallu Stanton Friedman et un petit peu avant certains autres pour le médiatiser, quoi. Donc, surtout Friedman. Je pense que un Stanton Friedman ou un UFO Lanzan Suffolk pour un cas écossais aurait peut-être donné justement ce Roswell écossais. Eh ouais. Mais voilà, il faut des gens qui s'intéressent. Il y a un Roswell écossais, hein, je vous assure qu'il y a un Roswell écossais. Il y a un livre qui va sortir ou qui vient de sortir là, en Écosse. Et c'est un cas, mais absolument incroyable. J'ai travaillé dessus, je suis tombé dedans et je peux vous dire que c'est délectable et c'est génial. Mais c'est vraiment génial, absolument génial. Bah tiens, Egon, on va finir l'émission justement là-dessus. Donne-nous un peu de tes nouvelles. Est-ce que tu es sur un projet? Est-ce que tu penses... qu'on le verra en 2021 ou c'est un peu court? Je me suis lancé dans quelques... Non, je pense que ça va être pour 2021. Je me suis lancé dans un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, mais en fait, je m'attaque à la Napurna, à l'Everest. C'est colossal, c'est-à-dire que plus je cherche et plus je trouve. Le livre, bien sûr. Je rappelle ce livre, bien sûr. Plus je cherche et plus je trouve, donc ça devient infini. Il va falloir vraiment que je m'arrête. À un moment, il va falloir couper. Ouais. Ok, mais on s'arrête. Publié, oui. Je crois que je vais faire un livre très étrange, quelque part, mais tant mieux. Tant mieux, tant voilà. Mieux. Tant mieux. Ouais, je pense que ça va être pas trop aux autres, mais en tout cas, c'est un sujet je ne veux pas surtout pas déflorer parce que je vous en parlerai quand il sera terminé. Quand il sortira, bien sûr, hein, on t'invitera avec grand plaisir. Sûr. Hein, j'ai trouvé un sujet depuis un moment et je suis super encouragé d'ailleurs par Jacques Vallée qui m'a dit que j'avais mis le doigt sur un des sujets importants, donc je suis super fier, quoi. Ah, bon. Alors là, non, franchement, de Jacques Vallée, ça se... c'est là, toujours... c'est clair. Voilà. Bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour, on a parlé du cas, parce qu'il y a... Oui, je crois qu'on a à peine effleuré. Voilà, il y a un milliard de choses qu'on pourrait dire en plus, mais le but de ces émissions, c'est aussi justement que si vous ne connaissiez pas le cas, que vous alliez aussi chercher de votre côté. Egon, un grand, grand merci pour nous avoir accompagnés. C'était la première qu'on faisait avec toi, on est ravis, parce que je t'admets, depuis qu'on a commencé les vidéos avec Camille, on disait on veut Egon, donc ça a été compliqué, mais là on a pu le faire, donc c'est vraiment un super plaisir de t'avoir avec nous dans cette émission.
Le plaisir est pour moi. Hein. Ça a été un super moment. Et merci, merci de bon. Voilà. Merci les gars. Et j'espère merci, que ce confinement nous permettra, enfin, que le qu'on pourra se voir bientôt. Et puis Egon, bien sûr, que vous allez pouvoir continuer à voir sur C8 dans les enquêtes paranormales. Hein, on a encore quelques cas en commun qu'on va faire et j'en suis ravi. Et on aura aussi notre ami Sébastien qui nous accompagnera sur quelques cas. Mais ça, ce sera pour 2021. Voilà, Philippe, je te laisse le mot. On va bien s'amuser encore. Philippe, je te laisse le mot de la fin. Alors, parce qu'on rappelle quand même, je ne l'ai pas dit, que c'est toi qui as eu l'idée de cette émission anniversaire Randolph Stein, et c'était une super bonne idée, donc merci pour cette émission. Voilà, exactement. Bon, c'est vrai que on a fait le 5 novembre, j'aime bien déterrer les anciens cas pour prendre un peu de recul, voir un peu ce qu'on peut gratter, ce qu'on peut tirer de ça. On en fera d'autres. Oui, voilà. Bon, bien sûr, avec grand plaisir, et puis n'hésitez pas, encore une fois, si l'émission vous plaît, partagez-la, petit pouce bleu, Tipeee, enfin tout ça vous savez maintenant. D'ailleurs, je trouve que vous mettez de plus en plus de pouces bleus, donc c'est plutôt encourageant pour une petite chaîne comme nous. Hein, et écoutez, messieurs, ben, il me reste à vous saluer. Alors, et pour vous qui nous avez regardés, ben, écoutez, on vous salue et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Ciao, ciao.